Tous nous souhaitent à ce qu'on Noël. L'amour, la joie et la lumière. La santé et la bonne humeur. Le partage, la paix dans notre cœur. Regarde Tropical Night Live Tour. Nous redonne à Zotte l'amour. Et nous souhaite à Zotte de joyeuses fêtes. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjot. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Salut les amis, comment il est ? Hey hey, ça va et toi ? Ben ça va, doucement doucement, pourquoi m'y arrive pas à... Voilà. Ah, mais c'est les aléas du direct, voilà la grande découverte. Alors là, on a le gros Larsen derrière, c'est atroce. Mais non, c'est pas bien ça. Bon, en tout cas, comment il est, Angel ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Et toi, Dani ? On n'est pas seul ce soir dans les studios. Non, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans les studios. On n'est pas dans les studios parce que nous sommes où ce soir ? À l'hôtel Les Aigrettes. Hey, hey ! Bienvenue, en tout cas, à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Du côté de l'hôtel Les Aigrettes, en tout cas, il y a énormément de monde et ça fait plaisir à voir la joie, la bonne humeur. Oui, tout à fait. Et là, ça bascule en télé dans 50 secondes. Là, nous l'avons direct à la radio, bien évidemment. Donc voilà, donc pour ceux qui nous écoutent également sur la page Facebook de Tropical Night Live Tour également, d'autres, ils peuvent voir que nous ne l'est pas seuls. Oui, Angel, le retour d'Angel, en tout cas pour ce soir. Oui, pour ce soir, hein, pas trop, parce que malheureusement, je peux pas trop. Hein. Et vous l'avez compris, j'étais absente un petit bout de temps. Je viens de temps en temps, dès que je peux. Mais malheureusement, je ne peux pas venir tout le temps. Voilà. On peut pas venir. Par contre, oui, c'est horrible. Hein. Pourquoi c'est horrible ? Le son dans les oreilles. Bon, il faut baisser un peu là-bas. c'est un petit peu. Même ça. Bah oui, même ça. Pourquoi ? Je sais pas. Bon, c'est bizarre. J'ai l'impression de me retrouver dans les donjons de mes jeux vidéo, là. C'est chelou, quand même. Hein. C'est chelou, quand même. Mais c'est pas grave. On va régler ça tout à l'heure. Est-ce que tu nous entends, toi, de ton côté ? Parce que nous, on cause, mais on n'est pas tout seul ce soir. Oui. Alors, rapproche le micro, parce que sinon, on ne t'entendra pas. J'entends très bien. Voilà. Et vous ? Oui, ça va. Tranquille. Okay. En direct à la télé, merci François, jusqu'à 22h. En tout cas, donc accompagné de Angel ce soir. Comment il est ? Il est là et toi ? Ben, ça va, doucement, doucement. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent à l'instant sur Télécréole, bien évidemment. Et nous sommes en direct du côté de l'hôtel des Aigrettes avec toute l'équipe. Oh non, on n'est pas tous là. Non. Malheureusement, il y a des absents, mais le cœur y est et on buzz ce soir. C'est bon, j'en ai fait la dernière fois. Ah, ok. Bon. Mais c'est pas grave. Je dis plus rien. Non, alors. C'est bon. Coucou ! Bon, en tout cas, il fait longtemps, Angel. Hein. Oui, ça fait un petit bout de temps et ça fait plaisir de retrouver un petit peu les studios en forme et en bonne humeur pour terminer cette année de folie. C'est folie. Et pour démarrer une nouvelle année. Oui, il faut bien. Il faut bien. Non mais moi, on ne dit pas de folie. Moi, je voulais dire autre chose, mais du coup, on fera. C'est bon, là, tu fais bouger les caméras. On l'entend pas, je suis sûr, le buzzer, là. Si, ça entend. Ça s'entend. Et là, nous savons du côté du standard, tiens, pour ce soir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ça, c'est une voix que m'y connaît, ça. Hein ? Ça, c'est une voix que m'y connaît, ça, non ? Oui, c'est Marie-Odile Sainte-Marie. Oui, Marie-Odile Sainte-Marie, oui. Ça fait bien ? Bah, elle est là, ou même ? Ça fait bien ? Oui. Attends, là. Bonne année, oui, nous est bien, nous, et où Marie-Odile, est-ce que vous est bien? Oui. Ah, ben c'est là que c'est bon. Et la famille n'est pas là? Qui ça? Et comment faire la famille, ça ne pas dans la télé? Ah, ça ne t'est pas dans la télé, ça ne vient jamais à cause avec la... Ah, Anaëlle. Anaëlle? Raouni. Mais Marouni, non, Marouni. Oui. Anaël, ce soir, elle a dit, elle y fête un petit peu la fête café avec son famille, elle n'y gagne pas mieux ce soir. Oui, Marouni, non, Marouni, dernière fois, elle a fait un petit peu l'humour avec nous sur le plateau de la télé. Oui, elle dit, mais comment, tu ne me dis pas passer dans un petit bonsoir. Ah, bah oui, pas de souci, Marie-Odile. En tout cas, Marie-Odile, mais c'est de très bonnes fêtes de fin d'année. Elle est là pour qu'elle puisse aussi dans la fête de mon, hein. Vous aimez bien rire avec nous le dimanche soir? Ah,
ben oui, bizarrement, oui. L'autre comment a gagné un DVD, moi, ben m'a pas gagné trappé. Ah aussi, vous gagnez des vidéos, j'ai pas trappé. Oui, ma fille a joué avec ça, gagné. Bah quelque part, Nena des jeux tout à l'heure. Mais bon? Hein? Ou Nena des jeux tout à l'heure. Mais là que ça on parle parmi d'autres, parmi de moi, je ne connais pas. Ben bah, écoute, Nena, Nena Angel, Angel ne le connaît pas, mais on va connaître. On va connaître. Non, mais Anel, il fait la fête casse là ce soir. Moi, comment ça ne casse rien, moi, pas comment j'appelle. Qui ça? Qui ça? Ben oui, bien, oui. Quand est-ce que je vais aller commencer la santé, hein? Oui, Marie-Odile. Marie-Odile, est-ce qu'on a des petits messages? Quoi? Est-ce qu'on a des petits messages? Cause fort. La cause fort? Une cause fort encore là? Oui, mais demandez. Marie-Odile, est-ce qu'on a un petit message pour faire passer un petit coup là? Oui, tout pour ma famille. Message ma famille, joyeux Noël. Oui, Noël, bonne année, tout. Et à nous, souhaite joyeux Noël quand même, Marie-Odile. Encore l'anniversaire à mon petit-enfant. Pour petits-enfants? C'est mon anniversaire à mon petit-enfant. Ah, ben, happy birthday alors. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, le petit enfant Marie-Odile. Happy birthday to you. Et quand elle va aller là, il faut que tu apprends, il prend tard, puis après là. Ça va commencer, après il fait c'est, il nous fait toujours les émissions le dimanche soir. Inquiète pas, nous, les là, nous. Oui. Ah, ben, moi aussi, bien, Marie-Odile. Non, oublie pas, Marie-Odile. On a raison. Et là, tu travailles jusqu'à le 24. Bah oui, nous travaillons du 24, du 25, 26, 27, 28, oui, 29, 30, 31, 32. Nous arrête plus, Marie-Odile, nous travaillons tous les soirs. Tous les soirs. Oui, mais Amazon. Ah ben. Oh, moi aussi. Ouais, moi aussi, Marie-Odile. Je ne connais pas d'autres. Plaisir à vous, hein. Marie-Odile, mais est-ce que Miguel cadeau sous le sapin? Quoi? Est-ce que Miguel cadeau sous le sapin pour le 24? Non, pour le 25. Sapin, oui. Ça peut quand tellement trop Paris. Ah, ben bon. Ah, on va pas fini faire tous les cadeaux alors. Le Papa Noël n'a pas fini prépare toutes. Non, on n'a pas compris, c'est pas un étang. Bon, et alors, vous connaissez quoi on peut faire pour nous? Il fera nous super plaisir, vous faire un bon petit carré. Non, nous, on n'a pas besoin de gros cadeaux, nous voulons juste un bon petit carré. Quoi, femme, ne t'en parle. Est-ce que Ougaïn fait pour nous un bon petit carré? Un petit carré quoi? Ah, ben, ça qu'on veut. Il fera plaisir à nous toujours. Un plaisir à toi, on a tout parlé, hein? Ah, merci en tout cas, Marie-Odile. Mais ça, de très bonnes fêtes, les bons? Je suis maintenant un peu de la joie, hein? Ah, ben, il faut bien, il faut même... On voit un peu ce que ça nous entend, hein? Ça, il passe pour un temps. Bah, j'espère que l'année sera finie, on sera un peu plus bien, non? Ah oui, non. Sera oui. Meilleure, l'année sera prochaine meilleur. Sera meilleure, ah, Marie-Odile. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Odile? Oui, mais les autres parlent aujourd'hui. Marie-Odile, nous avons d'autres monostandards, malheureusement, nous doit laisser à haut. Voilà. Écoute à nous toujours, envoyez-nous des SMS. Oui, garde à nous. Voilà, garde à nous, envoyez-nous des SMS au 06 92 170 862. N'hésite pas, Zot aussi, oui, si Zot écoute à nous, envoyez-nous un petit message. Nous, ça ne fait pas Zot message sur l'antenne. Merci. Bisous, Marie-Odile, nous retrouvons à nous bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay, oui, regarde à nous, Marie-Odile. Merci. Allez, merci. Allez, nous retrouve. Ciao, bye-bye. Allez, on fait des gros bisous à Marie-Odile, car une fidèle auditrice qui nous appelle très, très souvent, dès qu'elle le peut. C'est ça. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler du côté du standard au 06 93 488 996. 488 996. Et pour celles et ceux qui sont un petit peu timides, hein, on vous invite à nous envoyer des SMS au 06 92 170 862. 170 862 si vous avez envie de passer un petit message, un anniversaire ou tout simplement souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Hein, n'hésitez pas, chez vous, ça se passe comme ça dans le Tropical Night Live Tour. Ça m'a manqué de ta voix. alors du coup, avant de retrouver le rendez-vous jeu tout ça, enfin d'ailleurs le rendez-vous jeune, ça fait maintenant. Alors, juste la personne qui appelle, on peut rappeler dans un instant, parce que bon, on m'a raccroché, il s'appelle Corinne, que l'a gagné une trottinette électrique ce soir dans le jeu Lutin. Sacré cadeau, hein, on le rappelle pour celles et ceux qui ne connaissaient pas le principe et pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. Très simple, pour tenter de gagner un cadeau, il fallait
allez envoyer le mot-clé lutin, L-U-T-I-N, par SMS au 80 90. Et à la clé pour ce soir, en tout cas, il s'agissait bien évidemment, Dani, d'une trottinette électrique. Et justement, on appelle la gagnante de jeu de ce soir, donc Corinne. Allez, c'est parti. C'est parti, comment il dit, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Voilà, un petit peu retard quand même sur le jeu, mais c'est pas grave. Oh. C'est les fêtes de fin d'année, oui. On peut se lâcher. Voilà. Alors, c'est notre gagnante s'appelle Corinne. Corinne. Décroche ton téléphone, Corinne. Allô. Bon. Alors, on va retenter. Alors, Corinne. Corinne, si tu nous écoutes, si tu nous entends, si tu es bien branchée, Télécréole ce soir, Créole FM, on t'invite à surtout arrêter tes conversations avec tes copines. On laisse bien son téléphone éteint et on attend l'appel de ton animateur préféré, Dani. On te le rappelle, si tu nous écoutes, si toi tu nous écoutes pas, qu'un membre de ta famille nous écoute, Corinne, tu as gagné. Corinne, si tu ne réponds pas au téléphone, on va être... embêté. Et je repars avec la trottinette, attention. Voilà, hein. On va faire comme ça. Allez, c'est reparti. On appelle du côté du standard. Allô. Bon, ça ne veut pas. À la fin de votre message... Non. Alors, attends. On va faire simple. On arrête tout, là, on m'écoute. Corinne, écoute ce que je te dis. Corinne, coupe ton téléphone. Branche-le s'il n'a plus de batterie. On retente d'ici 3 minutes. Non, parce qu'il y a des messages qui arrivent là, du coup. Alors, on va enchaîner les messages. On te rappelle juste après. Allez, c'est parti, Dani. Dis-nous tout comment ça se passe du côté des SMS au 06 92 170 862. Lâchez-vous ce soir. Bon, alors, Nena des appels. Ah, la gagnante rappelle. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Oui, bonsoir Corinne. C'est qui? Bonsoir Corinne. Bonsoir, c'est qui? Alors, tu ne devineras jamais Corinne qui t'appelle ce soir. Est-ce que tu te rappelles? La mamie de Taz. Et non Corinne, ce n'est pas ça. Corinne, juste une chose, tu as participé à un jeu pour essayer de gagner un cadeau à l'occasion de ces fêtes de Noël. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Alors, je vais te faire écouter la voix de notre animateur phare et on va voir si tu te rappelles de lui. Oui. Alors, Corinne, nous l'ayons en direct à la télé ce soir. Je vous entends pas, pourquoi? Pourquoi on m'entend pas? Tu es en direct sur... Attends. Mais qui alors pas? J'adore. C'est bon, Corinne. Corinne, est-ce que tu peux allumer ta télé et te brancher? Tu as quoi comme abonnement télé, Corinne? Là, ma télé est branchée, j'arrive pas à remettre en route parce que je suis en train de tout ranger dans la maison là. Aïe, bon. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas cool. Alors, la radio. Oui, alors, on peut mettre Créole FM d'ailleurs. Nous l'en direct sur Créole FM également sur la télé. Sur quel canal? 101. Mais du côté de la montagne, c'est 101.5. 5, bouge 5, pas 5. Le bateau, j'arrive là. Ah oui, mais bouge pas le bateau. J'adore Corinne. Bon, alors, Corinne, nous n'avons point de temps parce qu'on a quand même pas mal de textos oui, également. Oui, d'accord, mon doigt handicapé. Alors, Corinne, écoute bien ce qu'on va te dire, Corinne. Corinne, on repart avec une trottinette ce soir, une trottinette électrique, parce que l'on avait participé au jeu lutin par SMS au 80-90, Corinne. Youpi. Ça fait des tympans, mais c'est pas grave. Oh, bah, on est content pour Corinne. Corinne, est-ce que tu es contente? Corinne, mais qu'est-ce que tu fais? Allô, c'est foutu en fait. Hein. J'ai trop crié, j'ai bousillé Allô tout le réseau. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Corinne, on te rappelle dans un instant pour voir avec toi concernant bien évidemment le cadeau que tu as remporté via le jeu Lutin. On te le rappelle, donc tu as pu gagner ce soir, Dani.
Oui, donc une trottinette électrique. Dani, tu veux bien mettre une base en fond sonore ? Oui, c'est ça. Super, merci. Les messages donc arrivés au 06 92 170 862. Bonsoir, c'est Betty de la Chaloupe Saint-Leu. M'y vais écouter un bon Sega 20 décembre pour ma mère, Daisy, Coralie, Ivan, Enzo, Kéran et Malban de la Chaloupe Saint-Leu. Bonne fête de toutes, bonne soirée. Et bien tout à l'heure, bonne justement. Soirée, Betty. Tout à l'heure, bah, nous va écouter Famille Mélodie, donc une histoire en fête, donc ça parle pour le 20 décembre. Ça passe du côté du standard. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Ça, c'est pas Clara, ça ? Oui ? Hein ? C'est pas Clara, ça ? Ah, ah ! Non, c'est pas Clara. C'est... Ah, eh, ben, il ressemble. Il ressemble ? Ah, bah oui. Mais passez un petit coucou. Bah non, c'est pas Clara, mais on peut passer un coucou, elle s'appelle Magali. Ah bon? Eh bien là, il fait un petit cadeau là pour en ce moment, il appelle Azor qui est mis à Azor. Vous avez un petit cadeau? Oui. Ben quel cadeau vous voulez? Ah ben ça te donne à moi, hein. On sera content, oui. Mais donc... on a 5-6 enfants, oui. Ah, et si me donne, si me donne un feuille caloupilé, les bons, non? Hein? Si me donne un feuille caloupilé, les bons, non? Mais les a mis 5-6 enfants. Bon, ben mi enfant quand même un album, les bons? Oui. Un album d'un des artistes que nous l'a reçu dans l'émission d'ailleurs. Les bons ? Les bons pas ? Alors dis-nous, est-ce que ça te plaît le fait de recevoir un album ? Quoi ? Non, ben il ne peut pas changer. Ah, oh, ben, oh, ben le Papa Noël, il gagne pas son chat comme un thé ! En attendant... Nous essayons de faire un petit cadeau pour un soir. Un album d'un des artistes que nous avons reçu dernièrement dans notre émission. Oui. On va voir après. Il vient attraper. Alors, on va voir ça après, hors antenne, parce qu'on a pas mal de messages ce soir et pas mal de monde du côté du standard. Donc, on enregistre bien ton numéro et on te contacte dans un petit instant. Oui, ben, suis à nous, justement. Suis à nous sur la télé. Dans un instant, nous appelle là-haut. Oui, sinon, Ali peut jouer aussi au prochain jeu. Exactement, après il y a pas mal de jeux aussi hein, sur lesquels tu peux jouer. Donc justement on va en profiter qu'on a du monde avec nous. Mais non, va... mais le garçon, là, il connaît moi bien, il passe ma fin de jeu avec lui déjà. Quel garçon ? Ah ou même ? Dani, la grille à où là, t'es là ? Ah les baisers là. On ne connaît pas au moins. Alors, en attendant, on rappelle aux auditeurs qu'on peut jouer au jeu lutin. Alors, oui, pour donc le jeu lutin plus l'indice du jour. Alors, un séjour pour deux personnes plus déjeuner à l'hôtel. Ah oui, ça, les aiguettes. Donc, envoyez évasion. Oui, c'est bien moi. Amélie, viens voir que ça m'a gagné. Attendez, mais pas sur ma fille. Non, bon non on n'a pas gagné. Alors, vous n'avez pas gagné pour l'instant. Il faut jouer pour avoir un séjour pour deux personnes. Plus petit déjeuner à l'hôtel Les Aigrettes. Donc il faut envoyer évasion, E-V-A-S-I-N-S-I-O-N, par SMS au 90, au 80 90. Non, mais comme il ne connaît pas trop, il ne mettait pas sur ma fille, non ? Non, ou gagne fait ça ou envoie pas SMS ou tape évasion, E-V-A-S-I-O-N, ou envoie ça par SMS au 80 90, pour tant toute chance et éventuellement gagnera gagner un séjour pour deux personnes. Plus petit déjeuner à l'hôtel Les Aigrettes. On vous le rappelle d'ailleurs, l'hôtel Les Aigrettes, nous y sommes ce soir en direct et le repas était fabuleux. Une équipe du feu de Dieu qui vous reçoit, une ambiance chaleureuse, tout ce qu'il faut pour passer des fêtes de fin d'année, mais au tip-top, ça se passe à l'hôtel Les Aigrettes du côté non, de Saint-Gilles. Non, mais comme il ne connaît pas bien, mais pas sur ma fille, non ? Mais où peut demander aux filles de faire pouce ? Eh, Amélie, là, donc, viens noter. Amélie ? Amélie, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, en tout cas, ne sommes pas mobilisés le standard quand même, parce qu'il y a pas mal Attention, on a pas mal d'appels. Attention, ça buzz, ça buzz. Merci en tout cas, nous retrouve et suis bien l'actualité. C'est bon ? Oui. Allez, merci, très bonne soirée à vous. Allez, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Allez, ça grouille sur les textos, donc ça c'est bon. Hello, que vous êtes super, je vous adore, c'est Gisèle de Saint-Louis, je regarde jusqu'à la fin, continue comme ça. Bonne big fête up Gisèle. Big up Saint-Louis. Bonne fête. Ah ouais, Saint-Louis, le sud en force, attention. Bon. Site sauvage. Bonsoir Azot, c'est Marie-Jeanne de Fondjardin, c'est pour ma maman et pour mes enfants, mes petits-enfants et pour ma famille. Mon chéri, je souhaite un joyeux anniversaire à ma nièce Tracy pour aujourd'hui. Happy birthday Tracy. Joyeux anniversaire. Happy birthday en tout cas pour toutes les personnes qui fêtent son anniversaire. Exactement, aujourd'hui on vous le rappelle, c'est une journée particulière. Nous sommes le 19 décembre 2021, nous sommes à
11 jours, non 12 jours hein, de 2022. Vivement que 2021 se termine, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'attends Noël. Ah, avec impatience, Noël, les cadeaux. Voilà, avant quand même, avant je vais avoir mes petits cadeaux. Les petits les cadeaux ouvrir. De Noël, d'ailleurs on parce qu'on les voit sous le sapin, mais on touche pas, on est là comme ça. On n'a pas le droit de toucher, oui, c'est oui, ça. Oui, oui. Bon, on en profite d'ailleurs pour demander aux auditeurs, et vous, qu'est-ce que vous attendez comme cadeau sous le sapin? Appelez-nous du côté du standard. Donc au 06 93 488 996. Ou alors un petit SMS au 06 192 170 862. Dites-nous ce que vous avez envie d'avoir sous le sapin. Et puis peut-être que nous, avant la fin de l'émission, on vous dira ce que nous, on attend sous notre sapin. N'est-ce pas, Dani? N'est-ce pas? Et il y a Blanzine qui dit, il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Oh, Blandine, oh. C'est les fêtes de fin d'année, faut être cool, Raoul. Il y a Estelle du côté de la page Facebook d'ailleurs qui dit merci, bonne fête à toutes. Hey, merci, bonne fête à toi aussi Estelle. Alors donc oui, mais quand vous lisez le message, l'écran ça coupe. Ah d'accord, bon bah écoute, on va relire le message quand même. Gisèle, donc hello, que vous êtes super, je vous adore, c'est Gisèle de Saint-Louis. Je regarde jusqu'à la fin, continue comme ça, bonne fête CAF, Azote, bisous bisous. Hey, merci bisous, Gisèle, bisous. Bisous bisous et bonne fête CAF à toi aussi. Bonsoir, je découvre ce direct juste suite à une excellente fin d'année, de très belles fêtes à tous dans la santé avec le meilleur pour 2022. De gros bisous à ma maman, très belle continuation à vous, Sarah du Sud. Merci Sarah. Toujours le Sud en force. Ah, le Sud en force. Alors on attend un petit peu des messages de l'Est, de l'Ouest et bien évidemment du Nord. On vous le rappelle, ce soir nous sommes en direct du côté de l'hôtel Les Aigrettes. Et n'hésitez pas vous aussi si vous avez envie de passer des fêtes de fin d'année dans une ambiance sympatoche. D'ailleurs, si tu me l'autorises, oui. Dany, on peut peut-être parler un petit peu du menu de Noël que oui. nous propose ici l'hôtel-restaurant des Aigrettes. Alors juste avant d'ailleurs, donc mes rappels quand même que ce soir nous l'étions censés accueillir le groupe M à nous. Donc nous va recevoir maintenant donc mois de février. Donc voilà, un petit souci de dernière minute en tout cas. Donc nous va recevoir maintenant l'année prochaine. Donc merci en tout cas Angel, merci en tout cas, on va dire Clara entre guillemets. Non, je tiens à mon prénom, il n'y a pas de soucis. Magali. Alors Magali, mais qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, et c'est quand même la dernière émission délocalisée, puisque après dimanche prochain, donc nous les. D'ailleurs, dimanche prochain, on reçoit Amy, donc que l'a pu interviewer avec Tyrone la dernière fois. Ah yes, chouette. La sexy là. La sexy, ah oh, ouais. Alors pour celles et ceux qui avaient suivi, elle a compris le principe, Max, c'est génial. Pour celles et ceux qui avaient suivi l'interview, c'était assez chaud bouillant, puisque vous l'avez compris, Angel, elle ne sait pas se tenir. Ce n'est pas une nouveauté et c'est ce qui fait tout mon charme. C'est pour ça que je me suis retirée un petit peu de la radio, parce que plus je vieillis et moins je sais me taire. C'est catastrophique, hein, je te jure. C'est... Mais j'aime bien, moi. Là, tu dis ça, mais Dany pourra te confirmer que des fois, malheureusement, quand Angel se lâche, ça peut mettre les gens oui, mal à l'aise. Ouais. Et en plus, il me confirme, oui, c'est ça. Il y a Blandine qui l'a fait MDR. On salue quand même Ange HKS qui dit bonsoir tout le monde, big up à vous. Big up Ange. Alors on va continuer, avant de continuer sur les messages, on vous parlait un petit peu de ce lieu fabuleux qui nous accueille. Alors on arrive en fin d'année, mais on sera encore là l'année prochaine du côté de l'hôtel des Aigrettes, du côté de Saint-Gilles. Alors on est quand même dans un cadre somptueux. Alors c'est pas parce que j'y suis que je vous dis que c'est somptueux, c'est parce que c'est somptueux. C'est vachement sympa, une équipe super accueillante. Franchement, ce soir, on est d'accord. Hein. Oui. C'était bon. Hein. En plus, on a bien mangé alors qu'on a commandé dernière minute en mode à l'arrache. Super bon, une équipe accueillante, un endroit super sympa et il vous propose un menu de Noël encore plus fun. Alors moi, ce que je te propose, c'est que je vais commencer puis on va enchaîner l'une derrière l'autre. Alors, je vais essayer, oui. On va faire comme ça. Alors, du côté du menu de Noël, hein, du côté de l'hôtel les Aigrettes, Family and Friends vous propose en amuse-bouche des rondins de boudin blanc saisis à la plancha, fondue de poireaux, crème de basilic façon pesto. Rien que d'en parler, je bave, quoi. Donc, pour les entrées, ça sera foie gras mi-cuit mariné au vieux rhum charrette, donc... ceux qui aiment bien l'alcool, allez-y. Brioche à la vanille snackée.
Chutney d'ananas au vinaigre de pomme parfumée à la citronnelle. Ouh, ça qui promet. Est très hein. bon, qui est très bon pour la santé. Hein. Alors, voilà, je le précise, la citronnelle, c'est parfait. Oui, dis-nous il tout. Il faut préciser à consommer avec modération quand même. Toujours, 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 bien évidemment. Mais non, c'est les fêtes de Noël, allez-y. On peut consommer, mais effectivement, avec modération. Bon, on vous rassure, on restera sur des plats avec de l'alcool, bien évidemment. Mm-hmm. On va dire pas réservé, mais voilà, c'est surtout c'est celui qui conduit. Ah ben alors là, au pire, c'est il reste à l'hôtel. Hein. Et c'est ce que j'allais dire. Celui qui a trop bu, il peut justement réserver sa chambre. Par contre, dépêchez-vous puisque effectivement, c'est complet. En fait, de fin d'année, c'est assez complet. Donc, on peut encore trouver des places. En plus, on est dans un lieu agréable. On est occupé aux petits soins. C'est le moment d'en profiter. Donc, on vient de quitter l'entrée. On va partir sur le plat chaud. On a les poissons ou les viandes. Et je vais commencer par les poissons pour le menu de Noël du côté de l'hôtel des Aigrettes. Du côté des poissons, nous avons du filet de saumon cuit au four à la fleur de thym brésilien. Oh, je bave les enfants, je bave. Émulsion de coquillage au pistil de safran. Caviar d'aubergine, mousseline de l'écume oubliée et glacée aux fleurs de caloupinée. Mais alors, c'est... Oh, rien que d'y penser, je me retrouve dans un hôtel 5 étoiles. Là, c'est... Le poisson est bien accompagné et puis c'est vraiment... Il peut ne pas être sec là. Ah non, là c'est juste parfait. Alors par contre, ce qui est compliqué, c'est que nous, on parle de tout ça, mais nous, on ne sait pas si on va venir faire Noël ici encore pour l'instant. On est peut-être invité chez la famille et c'est pas sûr qu'on ait des jolies choses, genre mousseline de légumes oubliés et glacée aux feuilles de caloupinée. Bon, alors, on va demander à un monsieur qui est loin de la caméra là-bas, qu'est-ce que tu comptes me faire à manger pour. Parce que bon, je précise, hein, c'est aussi mon anniversaire hein, pour Noël. Hein. Oui. Hein bon. Alors, pour Noël, qu'est-ce que je vais avoir? Un vulgaire curry ou bien éventuellement une mousseline de légumes oubliés et glacée aux feuilles de caloupinée. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, partons du côté de la viande, dis-nous tout. Donc pour la viande, il y aura des médaillons de chapon cuits en papillote, épices douces, gingembre, mangue, déclinaison de crécy. Et chips de songe grise. Non mais là on bave, on est d'accord. Ouais. On est d'accord, non mais Dani, franchement, c'est comment dire, c'est... Ouf. Oh là là, là le CSA peut rien dans le ventre, dire, hein, parce que voilà, on a des papillons dans le ventre, même parce qu'on parle de nourriture quand même. Ok, d'accord. Mmh. Dani, il est en train de baver, il rêve encore plus. Se calme, tu te calmes. Hein. Et puis bien évidemment, du côté du dessert, nous aurons des bûches de Noël aux fruits de saison, craquants de nougatine, coulis exotiques, rafraîchis à la menthe. Alors, bien évidemment... Je passe au dessert directement. On va passer au dessert. Les infos et les réservations, ça se passe au... Donc au 02 62 61 84 01. Donc 61 84 01. Alors, n'hésitez pas à réserver pour Noël, mais évidemment pour le jour de l'an. Alors, on vous parlera un petit peu de ce menu de réveillon pour terminer l'année 2021 tout à l'heure. On va peut-être aller faire un petit tour du côté du standard éventuellement ou encore du côté des messages. Pas encore, mais tout pas simplement. Encore. Pas encore. En parlant des messages d'ailleurs, parce que Nénard Desantis nous l'a interviewé au début de l'année. Et puis Nénard Desantis également que nous l'a interviewé sur pas mal des émissions. Notamment, donc Desantis, il veut faire passer un petit message en tout cas dans l'émission, donc il dure 3 minutes quelques. On enchaîne tout simplement avec Emmanou, répond l'amour également, même si Manet pas là quand même une petite pensée. Hein, Banna. Nous pense Azote, inquiète plus. Et puis Emmanou. Exactement. Et puis il nous va faire du face-à-face. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le face-à-face? Non. Alors le face-à-face, en fait, c'est 10 questions que me va poser soit Angel, soit Magali. Ce soir, il faut répondre du tac au tac. Voilà. Bon, ben, on va tester dans un petit instant. Donc là, on invite les auditeurs et les téléspectateurs à bien rester en ligne et devant leur télé pour suivre les clips. Et dans un instant, ils nous retrouvent en gros pour qu'on se fasse moucater. C'est non, ça, c'est, hein, pas, c'est pas tout à fait ça. Mais... T'es pas l'idée. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Hein. Bon, le buzzer. Le allez, buzzer. On regarde ça et on revient juste après. Allez, bon à tout de suite les loulous. À tout de suite. C'est Sophie Ligdamis dans Tropical Night Live Tour. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, ben, m'y viens pour présenter mes vœux à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Créole
et à toute l'équipe de Tropical Night Live Tour. Et aussi, ben, bonne continuation. Joyeuse fête à Zod. Bisous, nous retrouve. Hey, salut la Big Mif, c'est Tiston. Hey, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec l'équipe du Tropical Night Live Tour. On est ensemble comme jamais. Please force me, Amazon. J'ai mis cette vidéo pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. De gros bisous à Dani. Merci pour ton émission Tropical Night Live Tour qui a été incroyable cette année. De gros bisous à vous et je vous laisse en musique avec mon dernier titre, si tu le veux, featuring Nani. Si tu le veux, si tu le veux, je ferai un petit effort. Si tu le veux, si tu le veux, je serai celle qu'il te faut. Si tu le veux, si tu le veux. De gros bisous à vous, prenez soin de vous et à très très vite. Le cal, LM, yo la souche, ça va ou quoi? C'est Kemaï. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec la Team Tropical Nightlife Tour. Et j'ai envie de vous dire, Hélène Wadesaka, fête boum bam bam. La Réunion, Niemazot, fort. Hello, c'est Awel, mis souhaitzot toutes, de joyeuses fêtes de fin d'année à toute l'équipe Tropical Nightlife Tour, ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices. Bisous à tous. Coucou, c'est Francis Maïf, j'espère que vous allez bien. Je tiens à souhaiter à toute l'équipe de Tropical Night Live, Télécréole Réunion, les auditrices, les auditeurs et à toute la Réunion de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bonjour à tous les auditeurs de Télécréole, Madiar Ciné, Baco Manalmar. Nous vous souhaitons à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez entourés de votre famille, de vos amis, que vous partagiez et répandiez l'amour autour de vous. Dans l'affection, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la beauté, dans la bonté. Voilà, vivez heureux. Très très joyeuse fête à tous et bonne fête de fin d'année à Télécréole. À bientôt. Hello La Réunion, c'est Marcus Green. Je voudrais souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à toute l'équipe de Tropical Night, Créole FM et Télécréole. Et à vous aussi, bien sûr. Serre-les contre ton cœur, si tu les aimes, ne pense pas seulement, prouve-leur. Les actes parlent plus que les mots, en amour il n'y en a jamais trop. Serre-les contre ton cœur, fais le premier pas, n'agis pas comme si tu ne les connaissais pas, vas-y avant que la vie ne vous sépare. Salut à tous, c'est Enfin de Loïs sur Créole FM. Meilleurs vœux pour l'année 2022, santé, prospérité, bonheur et joie. Espérons que ce nouvel an soit une année où les artistes pourront faire plus de représentations, plus s'exprimer sur scène bien entendu, et qu'on sortira enfin de cette situation de crise. En 2022 sortira mon second best-of, où on retrouvera les titres inédits « J'en meurs d'envie », « Il n'est pas trop tard » et le Hit Club « Fidèle ». Très bonne année 2022. Et bien évidemment, la voix off. Hey, comment il est? Ça va? Ça va et toi? M'empêche que tout à l'heure, pendant la pause, on a essayé de te parler, mais alors ça a été tellement à fond que... Que dalle. Que dalle. Que dalle. Par contre, si je fais... Là t'entends, mais tout à l'heure on a essayé 3-4 fois, on est d'accord, il a pas entendu. Je te calme. Non, je ne me calmerai pas. Alors il y a des messages arrivés, donc apparemment il y a un problème de diffusion. Donc il y a apparemment il y a deux voix, enfin deux sons qui diffusent en même temps. Donc il va voir en régie s'il peut faire un petit réglage par rapport à ça. Il nous appelle Jenny d'ailleurs, donc Jenny, on l'a pas connue. Jenny, hein, donc Jenny récemment arrivée dans l'équipe. D'ailleurs, on s'est croisé avec Jenny, mais on n'a pas eu le temps de parler, de dialoguer. J'ai pas encore eu l'occasion de lui poser des questions sur effectivement ses sons. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra lui faire une petite interview. Oui, avec. Oui, par contre, ce serait bien. Voilà, merci. Vas-y, tu peux parler. Donc voilà, oui. Il t'avait pas branché les micros. Bah, tu d'accord, te rends compte? Merci beaucoup. Non mais. C'est assez les problèmes, c'est les aléas du direct. Et puis le pauvre Dany, il est sur le téléphone, l'ordinateur. T'as bien vu, hein, on essaye de lui parler. C'est un peu compliqué. On va souhaiter les bienvenus en attendant à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, que ce soit
en télé ou en radio. Et on vous le rappelle, ça se passe du côté du standard pour toutes vos questions, vos petits messages. Donc au 06 93 488 996. Et puis ça se passe également du côté des SMS pour celles et ceux qui sont un petit peu plus discrets puis qui ont un petit peu honte. Donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages de fin d'année au 06 92 170 862. 06 92 170 862. Alors donc, n'hésitez pas. Voilà, pourquoi pas nous parler de ce que vous avez envie d'avoir sous le sapin. On en parlait tout à l'heure justement avec Mag. Oui. Qu'est-ce qu'on aimerait... Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux toi sous le sapin? Alors, de base, c'était ma voiture, mais je l'ai eu du coup à l'avance. Donc, oh, le cadeau de Noël en avance. Non, mais alors attends, non. C'est le rêve. C'est le rêve, oui. Ça. Le cadeau de Noël en avance, la petite titine, la petite voiture. Ouais. Donc, c'était le plus beau Noël, les plus beaux cadeaux que je voulais cette année. Donc, je suis très heureuse. Donc, merci à ma famille. Justement. Ah ben, on peut les applaudir. Ouais. Hein. Oh là là, c'est Maxi Buzz, hein. Wouhou. Il y en a qui ont de la chance, hein. Dany, tu l'as eu quand ta voiture, toi? Hier. Ah, ah, le mytho. Nana, Jenny au téléphone. Allô? Allô, allô? Oui. Ah, Jenny, comment elle est? Allô. Ah, elle est là, les autres mêmes. Ah, ben elle est là, dans la bonne ambiance. Hein. Salut, Jenny, comment vas-tu? Ben, ça va, les autres. Ça va, ça va. S'il vous plaît. Ah là là, c'est chouette, c'est chouette. Bon, c'est sûr que ce serait mieux que tu sois avec nous quand même. Hein. Ouais. Mais malheureusement, vu que c'est pas comme ça, on va le faire par téléphone et ça fera plaisir tout autant aux auditeurs. Il n'y a pas de souci, je suis là, je suis bel et bien présente. Voilà, Jenny, d'ailleurs également dans l'équipe, donc et également en tant que chanteuse. D'ailleurs, on est né à titre, donc que la sortie n'a 2 mois de ça. Un mois et des brouettes, des poussières. Et des brouettes et des poussières. Non, mais il va aller trop vite, Dany, en fait. Lui part loin, lui. Non, mais ça, c'est voilà. Tellement ancré dans le cerveau que c'est comme si on l'a entendu tellement. Tous les mots vivent. Tous les mots vivent. Ah, tu vois, Jenny, moi, quoi, très, très doucement. Alors, pensez au maximum mon téléphone, mais il y a un très faiblement. Oui, apparemment, tu n'es pas la première à nous le dire, hein, que c'est faible. Monsieur Dany, il y a un petit souci là. Non, c'est bon là, on t'entend bien. Là, on m'entend. Oui, toi tu m'entends, mais Jenny, est-ce que toi tu m'entends? Ah, mais Antoine a d'autres préfètes. En fait, quand il demande à d'autres répète 2-3 fois, ma fille arrive en matin, je vais m'aimer. Alors, ce que Angela dit à moi tout à l'heure. Hein. Moi, elle est pareil, j'ai dit. Ah, moi, elle est contente. C'est la saison, là, on dirait. Maman a trouvé une sœur, ma tante vieux mémé. Moi, elle est contente. Oui, voilà. C'est ça. Ah, oui. Tante vieux mémé. Il rassure à moi. Ah, vous connaissez, hein, quand on devient à moitié aveugle, la moitié est sourd, là. Ben oui, content. Et m'a dit mon bon camarade, elle m'a dit, achève à battre à moi, parce qu'elle n'est plus possible. Mais on t'a opiné, Non, mais faut achever. Pas... Non, Jenny, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, parce que, vous connaissez... Faut l'effort là. Moi et comme vous, et nous et des centaines et des centaines de femmes, et ben nous entendent plus parce que notre bonhomme il fait chier à nous, notre enfant il fait chier à nous. Nous voit plus parce que nous voit que tout le monde il fait chier à nous. Donc nous Ahmed. Mag la belle le buzz, elle dit, ben, les vérités, c'est pour ça. Et on remarque bien la génération 30-45 ans, ben nous entendent plus bien, nous voient plus bien. Ben, c'est la faute de le banc de bonhomme et le banc des enfants. Pour Noël, ma fille demande au papa Noël juste un petit peu de calme. Mamie demande pas de calme. Tant qu'à faire d'avoir les enfants, parce que moi. Alors le bout. Bon ben, nous essayons. La mémoire, c'est... Nous tente. Bon, il marchera pas. Bon, allez, Jenny, raconte-nous un petit peu où te bande Mansou en ce moment. Raconte-nous un petit peu comment il se passe du côté d'Oudit chanteuse. Parce que nous connaissons un petit peu en tant qu'animatrice, mais le band auditeur est rejoint à nous à soir. Soit tu voudrais connaître un petit peu où, en tant que chanteuse. Mon Dieu, en tant que chanteuse, que ça veut dire venir raconter à Zot, m'a toujours chanté en fait. Enfin non. C'est vraiment entier. Nous va commencer par le commencement. Dany en train de chanter Bukatao là. J'ai dit, regarde bien sur la télé. Écoute à lui. Mais entends, lui en train de chanter. Non mais. Bon. Eh moi, les filles, pas fait des filles, nous va faire en
dans le backstage, nous va faire bien des filles. Il faudra bien assumer pas un côté. Parce que il fait comment là. Nous va trouver des filles pour. Bouge pas le bateau, Dani, inquiète pas. Nous viens pour là, inquiète pas. Jenny va se faire parce que le nombre de fois lui a piégé à moi là, ben franchement, Miss Exote. Ah, oui. Inquiète pas, nous va faire backstage pour lui, nous va cause de ça d'ailleurs. Et après nous va mettre à Yon comment on passe de son bêtise. Ah, inquiète pas, Dani, il arrive pour là. Les noter dans mon agenda. Un peu le buzzer. Attends. C'est quoi, Jenny? En fait, elle a investi sur le buzzer, écoute. Il y en a un buzzer. Oui. Bon, si pour répondre à une question, parce que du coup, là, la balle... Alors, donc du coup, oui, pour les auditeurs, ou a toujours chanté, les auditeurs, ou t'as pour dire à moi toujours chanté. Non, en fait, il raconte à l'autre, parce que si tu veux, moi, elle a eu ma bulle, quand moi, t'es depuis... Et depuis tant tu m'as toujours été dans la papa, souvent tu racontes à moi. Connais quand t'es maman et tes bébés là. Raconte dans le pas, t'es si qui te chante. Oui. Tu te reposes à moi, mais t'es bébé. Dès que t'es. Ah, crotte. T'es pas à moi, mais t'es rien ou t'es dans le pas, viens ou viens chante pour moi. Donc déjà de là, t'es pas de là, le chanson, le chant, le musique. Et après, si on veut, m'arrêter dans le domaine artistique, pourquoi? Parce qu'il fait partie de moi, en fait. C'est-à-dire que ni dessine, ni danse, ni chante, ni passionné, ni adore le cinéma, ni adore les photos. Tout ce qui touche à l'art, en fait, ça a toujours été. Mais ma toute première passion, c'était la danse. Ça a été la danse, ma commence avec la danse classique. En fait, tu as ce côté vraiment artistique en toi qui fait que ce soit, comme tu l'as dit, la musique, le dessin, le chant, tout ce qui va... être de ce côté totalement pour les autres personnes totalement fantasque entre guillemets, parce que pour beaucoup l'art c'est fantasque. Toi tu l'as en tu le cultives. C'est ça, c'est exactement ça. Je l'ai cultivé pendant longtemps, j'ai arrêté après pendant un temps parce que bon, les obligations font que à un moment donné on n'a pas toujours envie, ou en tout cas si on n'a pas la possibilité, on fait ce qu'on peut en fait. Surtout c'est ce qu'il faut dire, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et c'est vrai que du coup, quand je suis revenue à La Réunion, parce que moi, à la base, mes parents, les créoles, maman, papa, elle est née à La Réunion, maman, elle est née en métropole. Comme elle a revenu, elle a eu cette coupure avec mes parents qui fait que, elle a dû, et avec la danse aussi, et elle a dû trouver quelque chose d'autre pour essayer de briser ce que m'était ressent. Elle a passé par le chant, en fait, parce que m'était trouve plus que m'avait en métropole avec la danse. Tout est nouveau pour moi, elle est filée, née à la créole, née là-bas, danse classique, ici arrive Maloya, c'est gâte. Ah oui, c'est sûr que c'est autre chose. Hein. passer des pointes à passer au Maloya, crase un bon Maloya. C'est ça. Et m'a appris, pareil, hein. C'est ça. Et m'a appris. Mais m'a appris parce que ma t'es curieuse, justement, comme il dit, là, t'es cool dans mon veine. Donc forcément, pour moi, c'est pas possible que m'y comprends pas. Mais très curieuse. Donc du coup, après, m'a changé pour la chanson. Et m'a commencé à chanter avec du Céline Dion, Ziggy notamment. Parce que c'est la première chanson qui me fait squat en paix. Maintenant, je ne t'écoute rien que ça même. Et mon papa avait enregistré justement comme elle est à La Réunion, enfin comme elle est venue à Malanie habiter La Réunion. Il y a ça, moi, un petit compil. À l'époque, c'était cassette audio. Donc, moi, j'avais un Walkman. Donc, tout ça, tu ne connais pas, c'est quoi un cassette audio? Cherche dessus Google, les autres amis, s'il vous plaît. Parce que, mais il est un gramoun, hein, comme elle a dit tout à l'heure. C'était un cassette audio. Ah oui, gramoun même. Et bien conservé pour un gramoun, mais un gramoun quand même. Mais mais en fait, si on veut, on avait un cassette et il y avait fait à moins de trois cassettes comme ça, où il y a enregistré Mariah Carey, Céline Dion, des albums que Lina avait. Oui, alors c'est pas n'importe qui non plus, Mariah Carey, Céline Dion, c'est quand même des voix, c'est du corps. Des divas. Et m'a fait mon bagage, parce que m'a est très autodidacte, au-delà de la danse, très autodidacte, et m'a fait mes armes en fait en écoutant. Ça m'a écouté, m'a fait que, parce qu'à l'époque, n'avait point de YouTube, n'avait pas de radio, mais on connaît. Eh, mais dis pas trop comment ça, dis pas trop à l'époque, parce que déjà, le bon jeu de maman, il prend nous pour dinosaures, là, ou dit ça, là, les baisers, les vrais. Ancêtres. Les vrais, après nous, pour vieux ancêtres, vieux moon. Diamant, oui, mais quel connaît... âge, Nana, oh? Mon a 30. Eh ben alors, moi c'est un dinosaure. À côté d'outer. Déconnez donc. Déconnez. Non, parce que m'y connaît un de jeune, y écoute à nous, dit ça. Non, à l'époque, t'avais pas de YouTube déjà, tout ça là. Ben oui, m'y connaît, tu n'avais pas tout ça. Maman a connu le téléphone, oui, m'avait grave, déjà d'enfants. Alors bon. On connaît. Maintenant l'habitude dit qu'on voit le verre à
plein plutôt qu'à moitié vide. Et comme il n'avait point de soucis, ça c'était une époque où mon fils, ben, c'était le départ du commencement justement de toute sa bonne marmaille Nena aujourd'hui. On rappelle dans sa bonne grammaire, et ça faisait Nena aujourd'hui, là, c'est parce que Nena bonne mouche bataille pour ça. Non, mais on rappelle bien des pas. Quand on regarde aujourd'hui, bonnes enfants, là, zone à toutes, zone qui connaît pas ça que nous a connu, ça que nos parents ont connu, ça que nos grands-parents ont connu. C'est ça. Ou à Gagne-Forge, ou en tant qu'artiste, parce que on a eu une dynamique que bonnes enfants aujourd'hui, les mamailles d'aujourd'hui, là, mais pas là où la tranche moins de 20 ans, même jusqu'à 25 ans. Zot, il prend zot autres artistes parce que zot les influenceurs, zot les youtubeurs. Mais nous, nous avons point ça, nous. Nous la forge à nous, d'une autre manière, même dans le milieu de la radio. Hein. Maman n'est pas chanteuse, maman est juste animatrice. Et encore, maman mettre ça de côté, vous connaissez Jenny. Hein. Donc, nous sommes d'accord, nous avons grandi avec 15 affaires que les jeunes d'aujourd'hui n'ont point. Ou à gagne élève à haut, et de ça qu'on raconte à moi sous cette histoire-là. On a eu la chance d'écouter... entraîne à haut tout seul et faire développer haut de besoin et faire développer haut de bande ressentiment par la chanson. Ou à gagne pas faire ça, ou à gagne pas faire via la danse, parce que, bah, comme on va dire, on fait la danse classique, arrive ici, crase Maloya et danse ses gars. Ou t'es peut-être pas trop à l'aise quand on rentre la réunion, même si haut de bande famille était créole, là. On n'a pas connu tout ça là depuis la naissance. Ben, c'est tout nouveau. Ça. Il était bizarre. Ou un petit auréole sort de là-bas. Il connaît les racines. Surtout que là-bas, le pire dans tout ça, c'est que là-bas, on n'est même pas reconnu comme étant pour les trop blancs. Et c'est ça. Il faut les noirs. Donc, vous êtes d'un côté ou les blancs dans tous les côtés, mais ou les trop aux oreilles d'un côté ou les trop créoles de l'autre. Eh bien, ça l'est compliqué, donné... ça. C'est là où on voit l'humain les compliqué même. Mais pense faudrait nous faire une chronique là-dessus pour voir un petit peu s'appeler entre eux, parce que l'intéressant m'y trouve. Mais pense qu'effectivement, quoi, on pense, Daniel, ce serait intéressant de mettre une chronique en place comme ça. Je vais bien participer, moi aussi. Voilà, Jenny également aura peut-être une nouvelle animatrice avec nous. Donc, elle s'appelle Magali. Donc voilà, c'est moi. C'est la voix que vous connaissez pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question à te poser, en fait, avec tout ce que j'ai entendu. Du coup, par rapport à ton vécu, à tout ce que tu voulais mettre, en fait, à tout ce que tu voulais exprimer, dans tes chansons, est-ce que c'était compliqué pour toi d'écrire ce que tu ressentais? Est-ce que c'était compliqué pour toi de créer tes chansons, de créer tes paroles? Voilà, ça, je suis intéressée de savoir ça. Alors, en fait, si tu veux, je pense que... Enfin, on a toutes... Quand on était au collège, on a toutes eu ce réflexe-là d'écrire dans les petits agendas, les petits poèmes et tout qu'on retrouve d'ailleurs sur Facebook aujourd'hui. Pour remettre un petit coup de dessus le aujourd'hui. C'est ça. Mais comment, ce que je veux dire, c'est que oui, ça m'arrivait de mettre sur papier, on va dire, plus des poèmes. C'est maladroit, c'est pas structuré, c'est pas carré, mais je me rappelle d'écrire parce que, enfin, écrire me permettait effectivement d'évacuer énormément d'émotions. Et c'était pas sous forme de chanson. J'ai vraiment commencé à écrire, on va dire, sous forme de chanson lorsque je suis arrivée en 2009, si je dis pas de bêtises, 2009 au Tampon, où j'ai évolué en fait dans une association sur la Plaine des Caves, qui était une association de musique urbaine en fait, tout simplement. Et il y avait des rappeurs en herbe, il y avait des encadrants qui effectivement faisaient leurs propres compositions et musique. Et puis pour commencer, j'ai commencé, on va dire, comme choriste donc de l'un de ces animateurs. Et effectivement, j'ai appris à écrire, à construire. Ça n'a pas toujours été facile. Par contre, au niveau de ce que j'avais besoin d'exprimer, je le faisais. Ça restait quand même relativement maladroit, parce que dans une chanson, faut aller à l'essentiel et il faut le dire, on va dire, de manière efficace. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et j'admire d'ailleurs les chanteurs qui sont capables de le faire et de se dire, mais mince, voilà, pourquoi pas dire les choses simplement. Des fois on a tellement la tête dedans que c'est assez compliqué. Oui, j'écris et généralement quand j'écris, je suis beaucoup mon ressenti du moment, c'est vraiment par émotion, vraiment dans l'émotion. Je suis quelqu'un de très émotif. Excessivement émotif, j'ai envie de dire. Oui, mais tu le montres pas, ce côté émotif, en fait. Ça dépend. Alors, tu vas le montrer peut-être dans tes textes, mais c'est vrai qu'après, dans la vie de tous les jours ou en radio, tu vas réussir à rester neutre. Mais beaucoup de personnes arrivent à faire ça. Et puis, au fond, ils sont en mode... Voilà. Et justement, cette émotivité, maintenant, elle arrive à le mettre...
à le mettre en lice via ses textes, via ses chansons. Et c'est vrai que c'est aussi une force de ta génération, parce que je suis plus vieille que toi en fait, de nos générations, hein, de pas la génération des jeunes, mais c'est d'arriver à garder ce côté impassible, mais presque, et en même temps arriver à montrer toute Donc notre sensibilité. On se construit une armure en fait. On se construit une armure parce que d'une certaine manière, les émotions, quand les gens en face ne sont pas prêts à les voir, à les recevoir, à les comprendre, c'est compliqué. Mais après, au-delà de ça, je tiens quand même à préciser que la dernière, donc cette première chanson en solo que j'ai sortie il y a un mois, c'est pas moi qui l'ai écrite. Je suis arrivée en fait au studio, là où je suis actuellement, donc Family Studio. Je dis, écoute, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de chercher de me compliquer la vie. On écrit pour moi, on me fait une mélodie, je la fais. J'ai envie de souffler, j'ai envie de pas me prendre la tête. Et puis j'ai surtout donné une consigne, je ne veux pas de chanson d'amour. D'accord, ok. Pas trop d'émotion, chanson d'amour, clairement. Pas d'amour. Non, elle ne veut pas d'amour. Tu as entendu, Dani? Oui, alors, d'ailleurs, en parlant des émotions, parce que mais réagit ce que Ginny l'a dit au niveau des émotions. Parce que nous l'a fait quand même le générique de l'émission, donc nous l'a fait c'est Giovanella, mais remercie quand même Giovanella qui l'a fait une réadaptation du son de Maria Carré. C'est voilà. Magnifique d'ailleurs. C'est, hein. Voilà. Ouais, franchement, vous avez assuré les loulous. Hein. Et, ah, c'est gentil, merci. Et du coup, lors de l'enregistrement, Jenny a eu quand même pas mal d'émotions. Ah oui. Voilà, c'est un parfait exemple en fait. Dani peut en témoigner. C'est quand on a, parce qu'effectivement, comme je disais, je suis très émotive depuis toute jeune, en fait, et ce qui explique peut-être aussi ma sensibilité à l'art. C'est vrai que quand on arrive à un moment, à un événement, et qu'on a maintenu ses émotions pendant un bon moment, quand ça arrive, ça tombe main, en fait, à certains moments, parce que je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on est en enregistrement, c'est pas tous les jours qu'on tourne un clip, c'est pas tous les jours. Je veux dire, c'est des choses qui restent humainement parlant, qui dépassent en fait l'entendement. Et on peut croire que c'est quelque chose de normal, de naturel et tout. Et pour moi, c'est toujours énormément d'émotions. C'est comme quand je montais sur scène, on me demande à chaque fois est-ce que t'es prête. Je dis non, mais si tu me demandes et que je réfléchis, j'y vais pas en fait. Tout simplement. Voilà, c'est effectivement le côté hypersensible que tu as. Cette hypersensibilité, il y a très peu de personnes en fait qui sont hypersensibles comme ça. Donc c'est ce qui fait aussi tout toi, c'est ton côté unique aussi qui ressort là. Ouais, mais après j'ai envie de dire, pour moi j'ai pas forcément une hypersensibilité, pour moi ça ressemble plus à, on va dire, à une expérience très 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 lourde qui fait qu'aujourd'hui je ressens les choses comme ça. C'est comme ça que je traduis, parce qu'on a tendance aujourd'hui à suivre des étiquettes ou à se mettre dans des petites cases et du coup on se perd ou on oublie qui on est, et puis c'est bien plus compliqué que ça en fait, si on y réfléchit bien. Mais bon, ça c'est un sujet philosophique qui trotte dans ma tête depuis perpète. Mais donc, je pense qu'on va vous épargner. On va le mettre en action, hein, ce petit sujet-là. On va peut-être développer une petite chronique où on va pouvoir développer au fil des émissions et échanger avec les auditeurs à ce sujet. Je pense que ça peut être vachement sympa. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je trouve que c'est pas... On parle trop d'hypersensibilité alors que de base, certaines émotions et puis la fréquence qu'on a, c'est normal. C'est pas genre de l'hypersensibilité, c'est juste, c'est normal de ressentir ça comme ça. C'est normal que des fois on a trop de colère ou trop d'amour ou trop de joie. En fait, c'est pas qu'on est hypersensible, c'est juste normal. Mais pourquoi on l'a c'est surtout ça. C'est soit on a trop gardé en soi ou soit c'est comme ça. Voilà, chercher. C'est pas toujours explicable, malheureusement. Quand on est nourrisson et que son papa berce en sifflant et en chantant, que le papa arrête, et elle se remet à crier aussi. ça s'explique pas. Exactement, ça s'explique pas. Mais bon, ça, je vais vous le laisser pour vous, les jeunes, hein, le coup des nourrissons qui pleurent. Hein. Moi, c'est bon, j'ai ma dose. Hein. C'est bon, ça ira, merci. Sacré Dani. Dani s'est senti seul l'espace d'un instant. Il s'est dit, oh là là. Il a tout compris en fait. C'est vrai que tout à l'heure je disais pas de chanson d'amour, c'est la seule consigne, mais finalement c'est une chanson d'amour mais pour nos enfants. Voilà. Et ça a été la personne qui l'a écrite, donc s'appelle Harmonie, hein, faut le savoir, qui a fait un duo avec Anaëlle dernièrement, et qui vient de sortir aussi le son, et qui est passé d'ailleurs dimanche dernier, je crois, à la radio. Et, c'est
Et notamment, oui. Mais il fait quand même le petit parenthèse dessus, parce que il oui, y avait là, aussi Giovanni Lang, que l'accompagne maintenant en piano. Vous connaissez comment Giovanni Lang oui, hein. Oui, super, c'est vrai. Super, donc en tout cas. Donc voilà. Un clin d'œil à eux aussi, hein, parce que bah, ils font du super boulot, quoi. Donc ça, voilà, quoi. Même à vous, franchement, c'est en fait, on est une équipe, j'ai envie de dire. Oui, c'est modestie, ça. En tout, voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Mais mon vie. Bon, en tout cas, quand on a fait le live chez Giovanella, donc on était accompagné de pianiste. Hein. Dany qui oui, danse, c'est juste énorme. Alors, j'étais accompagnée effectivement de Les Africa, son nom de scène, qui, bah, pareil, partie du Family Studio en fait, et qui, si je peux le dire, je pense que je peux le dire, qui finalement sera mon pianiste si je dois le refaire en accompagnement. Très bien d'ailleurs. Angel, pourquoi tu ris comme ça? Que se passe-t-il? Non mais il faut que tu regardes l'émission. Franchement, il faudrait que je regarde le replay. Tu comprendras pourquoi je ris. Ok, je regarderai. Vous les mon fils. Voilà, parce que là, il est en train de danser. Non, mais aime bien, le morceau. D'ailleurs, on va regarder le clip. Jenny, okay. Du coup, oui. Tu peux retrouver également sur les réseaux sociaux. Alors oui, c'est Jenny, donc c'est... artiste officiel 7-4 et voilà donc ma page. Et évidemment vous trouvez le clip donc sur YouTube Jenny mon vie donc Jenny E2NY et mon vie tout simplement ça s'écrit comme ça se prononce vous n'hésitez pas à regarder les téléspectateurs tout le monde allez-y pas on et va partager voilà, t'inquiète ça. Je m'occupe de partager ouais. Ça de mon côté oh, likez partagez on like en tout cas Jenny nous donne un nouveau rendez-vous dimanche prochain d'ailleurs donc dimanche prochain on accueille Baimi et Emlan donc en interview une interview voilà. interview English voilà. So please interview quoi et après voilà. Il veut bosser en parallèle avec les radios québécoises, mais il n'est pas foutu de nous dire interview oh, quand même. Oh, tu te calmes. Mais je lui en ai déjà... Oh, les mots, tu ne peux vie. Pas débarquer comme ça, en savate de doigts. C'est ça. Bon, il va avoir frais quand même. Hein, parce que là, il fait du moins 30 de l'autre côté, là-bas. D'ailleurs, on passe un coucou à nos amis québécois qui nous écoutent hein, directement depuis, depuis un Internet. Un soir, d'ailleurs. Voilà, il y en a ici là-bas, donc un gros coucou aussi à tous les Réunionnais qui sont au Québec, si jamais ils nous entendent, parce que clairement, bah, voilà, j'imagine que on l'a pas dit. Froid, la coca azote, la barbe noire, si vous déconnez. Non, il y a un peu de soleil ici, nous l'a chaud, même s'il a les hauts tampons, nous l'a chaud. Bana, il aimerait que nous envoyions du ciav et des bouchons. Miguel envoie le soleil pour le moment. Juste du soleil, par le cœur. Oui, non, vraiment, de tout mon cœur. Il envoie tous autres, vraiment. Allez, nous fais un petit coucou à nos amis réunionnais du côté de Laval et du côté de Québec City. Et mi fait un petit coucou quand même à Mesmer. Salut Mesmer. Bon, allez, en tout cas Jenny, mi souhaite une très bonne fête également. Et puis, merci à toi aussi. Nous retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain après Noël. Mais bon. Bonne fête de fin d'année Jenny, à bientôt. Merci à toi aussi les filles. Gros bisous. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao, bye bye. Bisous. En tout cas, c'était Jenny au téléphone, donc nous regarde son clip. Non, sans déconner. Ouais. C'était Jenny? On n'avait pas compris, dis attends, donc. Attends, c'était elle? Bah ouais, écoute. Attends, j'étais avec genre la chanteuse, là? Non. Non, hors de ma vue, hein. mais c'est toi qui nous cherches, là. Hors de ma vue. Le face-à-face, juste après. On regarde le clip. À tout de suite. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas pour ce dimanche soir en direct de l'hôtel Les Aigrettes. Ça va sur le standard, allô? Allô? Oui. Mais ça va être une bonne fête de CAF demain. Bonne fête CAF. Hey, oui, bonne fête CAF. Oui, pour demain. Ok, bah allez, bon, mais... Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Odile. Bonne soirée, Marie-Odile, à bientôt. Allez, ciao, bye-bye. On retrouve, bye-bye. Allez, on peut dire que Marie-Odile, elle est fidèle, en tout cas. Ça, il n'y a pas photo. C'est les fans de l'émission, en tout cas, depuis Maroni, elle est très fan. mais c'est Maroni en même temps, qu'est-ce que tu veux? Ah, bon. Hé, hé, hé. Alors... Hey.
Est-ce que vous étiez passé une bonne soirée ce soir? Oui. Et toi, Alors moi, super. En fait, c'est la première fois, il faut savoir que je fais une émission et surtout, du coup, avec vous, c'est super génial. Donc, on va me revoir. Vous allez me revoir, c'est là n'est-ce pas, Dani? Oui, on va revoir surtout avec les Tropical Girls au complet. Hein, avec toute l'équipe. J'espère bien, oui. Toute l'équipe complètement barjou. Hein. L'équipe des barjou. Bon, malheureusement, moi, quand l'équipe des barjou est là, moi, en général, je suis pas là. C'est pas que je veux pas les voir, mais c'est moi qui les remplace. C'est ça. Quoi, oui, c'est ça. N'importe quoi. Moi, j'aime bien les filles d'abord. Voilà. Mais bien sûr, moi, je te veux, moi. Bon, on essaiera d'organiser ça en début d'année. On va voir 2022. Pourvu que 2022 ne soit pas pire que 2021. Oui, c'est ça. Je peux pas dire qu'elle soit mieux parce que à chaque fois qu'on a dit en 2019, on a dit 2020 sera mieux. 2020, on a eu la pandémie. Bien, blam, allez, voilà, on se balade tous avec des masques alors qu'on n'a toujours pas vu les skateboards volants. Ni les chaussures volantes qu'on avait vues dans ni Retour vers le futur. Volantes. Voilà. Alors que quand on était gosse, hein, on est d'accord, hein, Mister Jamie de l'autre côté nous dira la même chose. On s'est tous dit, en 2021, nous allons avancer avec des voitures volantes et puis des skateboards qui vont voler. Allez voir, non. On porte juste tous des masques et il y a une pandémie, la moukate, qui nous fait tout chier. Ah, j'ai dit un gros mot. J'ai été buzzée. Pardon, excuse-moi, pardon. Excusez-moi. Bon, j'en ai marre. je suis cool. Là. Oui, bah, là, tu te calmes. Hein. Je me calme. On va faire le face-à-face. Donc le face-à-face, en fait, c'est il pose 10 questions, il faut répondre du tac au tac. Alors en fait, il faut qu'on réponde aux 10 questions d'affilée. Non, c'est on donne, une première question, on répond du tac au tac. Pareil pour Angela, la même question. Allez, les bons de débat, c'est parti. Allez, on va commencer par la nouvelle. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On vous le rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages par SMS 06 92 170 862. C'est parti pour le face-à-face. Je peux pas le reculer, là. Alors, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Alors là, on a tellement plein. On n'en a pas qu'un seul. Non, mais... Non. Tac au tac. Je gagne tout prononcer, moi. C'est pas possible. Pardon. En fait. Voilà. Pardon? Ouais. Pourquoi pardon? Parce que c'est le mot que m'a plus de mal à dire. Ah bon? Là, on demande à moi, mais dis pardon. Ah, excuse mon pardon, alors. Excuse mon pardon, mon Alors, Domouna, il n'y a pas là-haut comme... Enfin, il revoit là-haut comme Morgane. Enfin, pas... Clara, c'est... Clara, c'est Morgane. Non, non. Non, si, t'as dit ça, la Morgane, t'as dit ça. Ouh là là, maille. Alors... Angel, tu me trompes, c'est pas bien ça. Non, mais c'est pas moi qui te trompe, c'est Mag. C'est pas pareil. Alors, la musique qu'on écoute fort dans tes bonnes écouteurs, mais on n'osera jamais écouter en public. Build Home. To Build Home. C'est une musique que j'écoute que toute seule. Enfin, c'est un peu nostalgique, donc j'ai pas forcément envie d'écouter ça avec les autres. On va rechercher ça. Mais non. Vous voulez pas. C'est le premier truc à arriver à mon cerveau. Angel, pareil. Moi, la musique que je vais écouter fort dans mes écouteurs et que je n'ai pas envie que les autres entendent, c'est tout con, hein, mais c'est Aoko Morelsao. Non, si. Ben j'ai pas envie que le monde y connaisse. Moi je reste avec les musiques de Marmaille. Si on aurait dit chinois, c'est ça non? Allez chinois, allez. Voilà, ça, ok. Non, mais c'est surtout que à mon âge, écouter DJ Seb, c'est un peu la honte, quoi. Non, mais t'es une jeune, toi. Oh, comment elle me flatte. Oh, t'es mignonne, ma chérie. Elle est adorable. On la garde. On la garde, c'est bon, je valide. Alors, je suis certifiée. C'est bon, j'ai fait les preuves. Alors, Kosa ou achète toujours en trop et en grande quantité? Mon Dieu. Des nouilles. Du PQ. Alors non. Bah oui, écoute. Hein. Moi c'est des nouilles. Quel sujet on peut causer pendant des heures? Sur le féminisme, les femmes, tout ce qui dit les femmes. Tout ce qui englobe ça. Bon moi je vais être moins sérieuse, hein. Je vais juste parler de bip.
Ok. Base. Voilà. Alors, si vous êtes de vrai, si vous devez manger un curry jusqu'à la fin d'août, ben de jour, c'était quel curry? Rogaille saucisse. Rogaille saucisse. Rogaille morue. Oh oui, mais bon, ça il faut gagner bien faire ça seulement. Elle morue sans arrêt. D'ailleurs, je recommande une adresse pour manger un rogaille morue. Ouais, moi je veux bien. Alors ça s'appelle chez Gigi La Payotte et c'est au tampon sur le boulevard du lycée. Et alors franchement, c'est une tuerie. Alors Gigi, on vient manger de la part de Angel. Non, attends, elle va me frapper après. Voilà, on vient là. Si Hauteville était une série télévisée, Honoré réalise quel générique? Gossip Girl. Amour, gloire et beauté. Tu savais toutes les merdes qui se passent dans ma life. Alors. T'aurais préféré le Covid, je pense. C'est quoi que tu dis toi? Ah bah voilà. Encore la caméra. Bah c'est pas moi. C'est pas moi. Le temps que... Le temps que... Ah sinon c'est Tortue Ninja. Mais c'est quoi la musique de Tortue Ninja? Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Non mais c'est bon, ça y est, tu me rappelles que je suis une vieille bique. Oh, purée de poids de senteur. Alors, ouais, juste l'expression de merde, purée de poids de senteur, ça veut tout dire. Non, faut baisser un petit peu plus la caméra. Voilà, donc... De type appelé sur le standard 06 93 488 996. Et bien évidemment, du côté des SMS, ça se passe au 06 92 170 862. Mais il serait peut-être temps de parler un petit peu de notre jeu. Attends, on n'a pas fini là. Après, on va parler des jeux. Alors, ça l'est bien ça pour Angel. Ça, c'est bien ça. Alors, si vous l'étiez au festival de canne à sucre et qu'il rôde un présentateur, une présentatrice de dernière minute, comme on l'est déjà là pour regarder hein, le festival de Cannes à sucre. Si tu veux présente le festival de Cannes à sucre en 30 secondes, comment on aurait fait les affaires? Ah, vous veut que m'y présente là tout de suite? Oui. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, venez nous rejoindre tout de suite pour découvrir notre grand festival de canne à sucre. Que d'un côté, nous avons donc notre coupeur de canne pieds nus, crasé, croûté. De l'autre côté, nous avons une charrette de bœuf, mais sans bœuf, parce que le bœuf a fini de chaper. Et de l'autre côté, la banane Marmaï, il est en train de voler les cannes à sucre. Bon, mais il demande à Zod Marmaï, viens voir avec nous comment il se passe aujourd'hui pour le festival de canne à sucre, avec à gagner mon beau sourire. Ah. Ouh. C'est cool ça. Non mais franchement, canne à sucre, t'es sérieux man? Non, alors c'est... Ah, non, attends, pour la petite histoire de cette question, c'était Jenny en fait qui l'avait posé cette question auparavant aux humoristes que nous avions reçu le 5 décembre. Non, mais pas la faute sur Jenny, t'as c'est... vu comment il est? T'as vu comment... Tu te calmes. Alors même question... Tu me troubles. C'est moi qui le trouve. Non, mais il est sérieux. C'est toi non, qui l'as trouvé. Regarde, c'est mort. Non, c'est mort. Nous avons perdu. Je vous annonce officiellement. Magali. Nous avons perdu officiellement Dany ce soir. Nous vous l'annonçons. Il est parti dans les étoiles. Nous l'avons perdu. Il a vu Maga et c'est mort. Non, mais attends, là, je vais gérer en fait. Voilà, c'est je... bon. Non, c'est pas bon. Alors 21h48 en tout cas pour ce soir, voilà le temps que. Oui. Hey, let's go, mom, go. Ça veut dire quoi? Bah allons-y. Ok, d'accord. Alors du coup. Non mais t'es sérieux toi? Non. Il est sérieux lui. Hey oh, quel métage, oui. Alors Magali. Et après c'est à moi qui dit tu te calmes. Et après c'est à moi qui n'ose dire tu te calmes. Non mais Allez délire en tout cas pour ce soir. Allez Magali, la question donc sur l'été à festival de Cannes à sucre. Non mais il faut préciser à sucre hein, quand même. Voilà donc qui rôde une présentatrice de dernière minute et s'il y a au présent le festival de Cannes à sucre, de Cannes à sucre pendant 30 secondes, comment on aurait fait? Messieurs, mesdames, canne à sucre ici, par là, ici, ici, canne à sucre, voilà. Là, dégustation par ici, regarde le champ de canne par là, voilà. Non, agriculteur. Mais non. Oh mais, ah, oui. J'adore. Non, mais là, il gagne plus parce que là, c'était pas canne à sucre, c'était bichique. Allez, reste. Ah, bichique, ah, bichique.
Il reste qui 10... va pêcher, qui met de la canne. Voilà. Il reste 10 minutes. Dernière question, si ça avait la clé de l'hôtel Les Aigrettes, ouais. Que ça en aurait fait? Alors moi, une grosse fiesta. Vraiment, là, il y aurait tout le monde, toute la réunion ici, ici. Ok, Angel. Ah bah pareil, une grosse fiesta, mais en fait concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais la clé des aigrettes, j'aurais emmené tous les sinistrés de Saint-Denis qui malheureusement se sont retrouvés sans maison. Et je les aurais tous invités, malheureusement c'est pas possible, c'est comme ça que ça marche. Mais... Voilà, c'est bon. Bref, non mais c'est compliqué quand même, hein. C'est pas une perche à selfie le truc. Hein. Ça va ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, d'ailleurs, d'ailleurs, au passage, je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. On leur souhaite beaucoup de courage. Ils ont tous été hébergés. Ils ont tous reçu un nouveau logement. Bon courage à eux. Et puis, bébé, voilà. Hein. Qu'est-ce que donc, tu veux donc, aussi, n'hésitez pas à verser des fonds. Oui, voilà, vous pouvez aider, donner vos dons. Fait, ça ouais. Se passe du côté de la mairie de Saint-Denis, bien évidemment. Et puis même, Monsieur Thierry Arail hein, de Télécréole avait lancé un appel à dons sur la page de Télécréole. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez des vêtements, surtout pour les bébés, des meubles aussi, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose de très dur qui s'est passé dernièrement. Donc c'est le moment de prouver notre solidarité, surtout on s'est fait de fin d'année qui sont déjà dures depuis 2 ans avec cette crise Covid. Alors si on peut apporter un petit peu de joie à nos voisins, moi je trouve ouais, que c'est sympa. C'est super, ouais. Et puis bon courage et puis gros bisous aux personnes qui ont perdu des proches ou qui sont dans des états assez critiques. Donc gros bisous à vous et grosse force en fait. Donc, gros courage. Force et courage à ouais. Toutes les victimes et toutes les personnes qui ont été victimes collatérales de, ouais. De ce sinistre. Et puis on va avoir une pensée aussi à toutes ces personnes qui vont fêter Noël tout seules, toutes ces personnes âgées avec cette crise de Covid qui vont se retrouver encore une fois de plus toutes seules. Et puis ben, on a une pensée pour vous et puis n'hésitez pas si vous avez envie de nous envoyer un petit message, à nous envoyer un petit message via la page Facebook mais également par SMS ou encore via le standard. Voilà, merci en tout cas pour ces jolis mots. Mais c'était avec plaisir, ouais. Hein, c'est sincère. C'est sincère et c'est compliqué parce que j'ai une crampe au bras. Oui, il faut voilà. Mettre bien la caméra parce qu'on va faire un petit rappel de jeu avant de terminer en tout cas pour ce soir, voilà, un petit rappel de jeu. On va essayer de trouver un truc, là pour l'instant on voit le plafond. Mais on va me revoir. Voilà. Voilà. Le temps qu'on retrouve quand même le rendez-vous jeu pour ce soir, mais annonce quand même que demain, donc sur Créole FM, également sur Télécréole en direct, on aura donc la fête 20 décembre, donc entre midi et 18h30, donc avec 424 events animation, donc de midi jusqu'à 18h30. On aura aussi également donc Cosmo Tidalon et Tifrid Maloya donc en live. Donc demain à partir de midi, donc jusqu'à 18h30. Donc restez connectés sur la télé également, en radio. Et puis donc sur le Facebook Live de Télécréole et Créole FM. Donc on passe maintenant aux annonces du jeu lutin plus l'indice du jour. Donc un séjour pour 2 personnes plus petit déjeuner à l'hôtel Les Aigrettes. Donc il faut envoyer juste évasion, E-V-A-S-I-O-N, par SMS au 80-90. Je répète, E-V-A-S-I-O-N, par SMS au 80-90. Alors, on vous le rappelle, hein, le règlement du jeu est disponible sur www.tropicanlight.re. On vous invite à jouer pour gagner, comme a gagné notre gagnante aujourd'hui, une trottinette électrique. Et juste avant, il y en a une gagnante, Karine, qu'on salue de passage, que l'a récupéré son bon cadeau, donc son coffret de beauté. Donc, une pose de vernis semi-permanent, tout simplement. Et puis, donc, avec un coupe brushing avec atelier L&M. Hey, c'est des beaux cadeaux quand même. Ouais. On vous gâte hein, sur Télécréole, Créole FM via l'émission Tropical Night Live Tour. On fait un coucou à toutes nos animatrices qui ne sont pas là ce soir. Donc là, du coup, ce soir, on a Mag, tu me permets hein, que je dise Mag. Hein. On a Mag et Angel et puis bien évidemment Dany hein, qui veut nous taper tout le temps, hein, qui n'est pas content avec nous, mais c'est lui qui dit des bêtises. Buzzer, double buzzer. Donc on était là avec vous ce soir, on espère vous retrouver prochainement, bien évidemment. Sinon vous pourrez retrouver Jenny, Anaël, Giovanella. Giovanella, Leslie également. Leslie qui est revenue, ma belle Leslie qui nous avait manqué, qui est revenue parmi vous. Et puis ben nous peut-être, hein,
Oui, ouais, certainement, Mag. Ouais, je pense que Mag va venir rapidement. Et puis moi, de temps en temps, je serai là pour vous faire un coucou. En tout cas, toujours la voix off officielle de l'émission, la marraine, bien évidemment, de l'association de DJ de Mister Danny. Et puis, on vous le rappelle, pour vos messages, ça se passe sur la page Facebook du Tropical Night Live Tour, mais également par SMS au 06 92 170 862. Hé, hey, elle a pris le pied rapidement, Mag, c'est génial, elle comprend tout de suite, c'est nickel. C'est ça, c'est bien ça. Merci. Le problème, c'est que Dany, il fait trois choses en même temps. Non, mais c'est un peu. Il gère la mise en place, etc., etc. Donc, des fois, il a du mal à... Oui, voilà. En tout cas, merci. Il est déjà 21h55. Nous balançons le clip de Famille Mélodie, donc 15 histoires et fêtes. Donc, bonne fête à tous les CAF et les CAFines. Bonne fête CAF, tout le monde. Et nous retrouvons à nous bientôt, bien évidemment, sur les ondes de Télé Créole et Créole FM pour le Tropical Night Live Tour. Ciao, bye-bye. Merci tout le monde. Ciao, bye-bye.